Salut à tous, c'est Evdren de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je pars avec un comparse. Je vais se présenter. Eh bien, salut à tous, c'est The CNS. Alors, on est tous les deux. On a réuni un petit peu pour expliquer rapidement le but réel de la vidéo aussi. C'est qu'on a rallié. The CNS fait des vidéos sur les figurines de Saint Seiya, forcément sur les jeux vidéo pour moi. Et donc en fait, Saint Seiya Soldier Soul, qui est un jeu qui est sorti en novembre 2015, édité par Bandai. On va aller directement, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah finalement t'as bien fait l'introduction, donc j'ai rien à rajouter. Oui, bah, le but était un peu, voilà, comme on est potes dans la vraie vie et qu'on a chacun nos chaînes YouTube respectives, on s'est dit que c'était l'occasion de les faire se jumeler à travers justement ce jeu Saint Seiya Soldier Soul, puisque moi je ne joue plus vraiment aux jeux vidéo, mais j'ai évidemment passé en tant que gros fan de Saint Seiya beaucoup d'heures sur celui-ci. Bon, après je suis un peu rouillé, ça fait un moment que j'y ai pas joué. On est deux à être rouillés. Voilà, et en plus ouais. Là on y joue sur un PC, donc moi j'ai la version PlayStation 3, puisque voilà. Le jeu est sorti sur de multiples supports. Voilà, il est en multiples plateformes. Je vais faire un petit rapide topic, enfin topo d'horizon de Saint Seiya sur les jeux vidéo, qui est beaucoup moins nombreux que la licence phare, on va dire, c'est Dragon Ball Z. On en a bouffé à toutes les sauces, Saint Seiya on en a mangé beaucoup moins. On a eu donc un épisode sur NES, je vous invite à aller voir Joueur du Grenier qui fait un très bon test dessus. Et on a eu donc deux épisodes sur PS2 qui ont été des jeux de combat. Et ensuite trois épisodes sur la PS3, celui-ci existe aussi sous PS4. Sur Xbox non, par contre il existe sur PC, donc c'est la version qu'on teste aujourd'hui. Donc voilà, on a fait un rapide topo au niveau historique, on va dire, des jeux vidéo de Saint Seiya. Il n'y a que le premier donc épisode, je voulais en venir dessus en fait, qui était un RPG, hein, plus un RPG action. Tu parles de la version NES, ouais. C'était plus un RPG donc, qui était, mais extrêmement difficile, je suis jamais arrivé à le finir, même avec les émulateurs. Et tu avais le jeu quand il était sorti à l'époque? Non, j'avais sorti en fait, j'ai eu juste par l'émulateur parce que j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai testé, mais rien du tout. Je n'y arrivais pas du tout. Mais on va se concentrer donc sur celui-ci, sur la version PC sur celui-là, mais la version PS3 est relativement similaire. Oui, je crois pas qu'il y ait de différence voilà. Entre les versions, ouais. Hein, même graphiquement. Si ça me paraît légèrement une résolution légèrement supérieure, mais, ouais, mais après, je crois qu'ils n'ont pas fait de... Enfin, le moteur du jeu n'a pas l'air d'être différent d'une plateforme à l'autre. On va faire un rapide tour d'horizon avant de s'affronter quand même, parce que c'est quand même aussi le but de pouvoir jouer à deux. On va faire un rapide donc, topo au niveau déjà, on va dire, du mode entre guillemets histoire. Donc l'avantage de ce jeu, déjà, contrairement à ses prédécesseurs qui ont pu avoir, c'est-à-dire qu'on a tous les axes de Saint Seiya qui sont à l'intérieur. Hormis les films, je crois. Les films ne sont pas dedans. Non, il n'y a pas les films. Mais alors c'est ça. Donc la grosse frustration qu'il y avait avec les jeux précédents de combat qui étaient sortis, on va dire depuis la période PS2, c'est qu'en fait à chaque fois le roster de personnages se limitait toujours au chevalier d'or, au bronze majeur, et à 2-3 personnages par-ci par-là, et on n'avait jamais l'intégralité des personnages. Le premier jeu qui était sorti ne concernait que le sanctuaire, on avait 2-3 chevaliers d'argent. Ouais. Après ils ont fait une version Hades où ils nous avaient rajouté quelques spectres mais pas l'intégralité, ouais, voilà, loin d'avoir mis l'intégralité. Après il y a eu la version donc Brave Soldiers sur PS3. Donc, ouais. D'abord sur PlayStation 3 il y a eu le premier, la bataille du sanctuaire, qui était un beat'em all, ouais, que je possède, qui est bien ouais, un bon tu jeu. Tu m'avais fait tester, qui était un très bon jeu. Mais qui avait cet inconvénient de ne concerner que la bataille du sanctuaire. Ensuite, ils ont sorti Brave Soldier, qui revenait à un jeu de baston en 1 contre 1, comme celui-là. Ouais. Mais bon, moi j'ai pas joué, mais apparemment. Ah, j'ai eu la version PS3 qui est une merde. Ouais, bah, apparemment, au niveau jouabilité, c'était assez différent ouais. De celui-ci. Et surtout, il y avait. Alors, ils avaient mis on avait les Marinas, ce qui était bien, mais on n'avait encore pas l'intégralité. Et celui-ci est le premier qui intègre les personnages d'Asgard. En plus. Voilà, qui était jusqu'à maintenant boudé, c'est ce qu'il m'avait décidé ouais. À l'acheter. Voilà, on a évidemment toujours pas l'intégralité des personnages, il en manque quand même beaucoup, mais au moins en termes d'histoire, c'est vrai qu'on a tous les arcs sont couverts. Au moins de l'animé, plus donc, parce qu'en fait, en manga, Asgard n'existe pas, il n'existe que en version animée, mais on est très content de les trouver, parce que c'est
personnellement, mais ça reste un des meilleurs arcs de Saint Seiya. Avec, bah pour moi, c'est mon préféré. Hein. C'est celui qui nous file le plus de frissons, donc forcément, de pouvoir jouer avec les guerriers divins, c'est énorme. Tiens, je vais commencer par ça. Voilà, parce que l'avantage, effectivement, c'est qu'on peut commencer les chapitres dans l'ordre qu'on souhaite. Je crois, avec de mémoire. Parce que là, tu les as déjà finis, ouais, on les voit. Ouais, déjà fini. Non, je crois que t'es obligé de les faire dans l'ordre. Tant que tu les as pas finis, tu peux les faire dans l'ordre. Je sais même plus. Je croyais qu'on pouvait les commencer. Il semble pas que tu puisses les commencer sans avoir fini. Donc vous avez le droit à une petite thématique plutôt sympa. Ça casse. Oui, alors, vu de nos jours, graphiquement, il est à la ramasse, on ne peut pas se mentir. Mais il a quand même l'aspect de Saint Seiya qu'on recherche. C'est ça, moi, l'aspect graphique du jeu ne me, ouais, moi, je choque, ne pas. Me choque pas, parce qu'il arrive à émuler, à reproduire en tout cas globalement l'esthétique. Les personnages sont beaux, il n'y a pas vraiment de... Enfin, pour moi, qui ai quitté le monde du jeu vidéo depuis très longtemps, moi, je vois ce que j'ai envie d'y voir, quoi. Les décors sont bien reproduits, les textures des personnages, on les voit, ils sont bien animés, ils ont des détails. Voilà. Il y a une forme de maturité par rapport, je leur pense, au premier jeu PS2, où c'était très perfectible. Oui. Là, les armures sont bien modélisées, on reconnaît les personnages. Voilà, arrive à un certain stade, je pense qu'on... Voilà, de toute façon, quand on adapte on un animé, mieux, voilà, ouais, c'est difficile de faire beaucoup mieux, parce que après, on passe dans un autre style graphique. Donc pour moi, ça, personnellement, ça me suffit. C'était juste parce que je me fais en même temps du côté détracteur, pas détracteur. Non, mais t'as raison. Parce que c'est vrai qu'à la limite, c'est vrai que dans cette vidéo, toi, tu peux incarner peut-être plus le côté plus le joueur, ouais, en général, alors que moi, je suis le fan, puis qui ne joue plus, mais qui joue à ce jeu-là parce que c'est Saint Seiya. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui peut différencier c'est aussi l'intérêt de ce jeu en fonction du public. Donc ça se divise, la plupart, donc les quatre arcs se divisent en plusieurs petites, entre guillemets, missions qui sont en fait que des combats. On reste sur un jeu de combat, mais oui, j'ai fait des très beaux scores. Mais surtout, suit, on va dire, entre guillemets, les épisodes de la série en elle-même. Avec quelques bonus sur certains arcs si on arrive à les débloquer, mais je ne crois pas que je les ai débloqués en fait tous. Donc je vais lancer un combat au hasard que je n'aime pas. Donc je choisis un de mes personnages préférés, c'est tout. Donc, on a la présentation aussi, qui reste voilà, dans le ton de l'animé, vraiment dans le ton de l'animé. Oui, ça essaie d'être vraiment le plus fidèle possible, tout en gardant le moteur du jeu évidemment, mais en utilisant le moteur du jeu, ils essaient de nous faire des cinématiques. Bah, du coup, je trouve qu'on n'a pas de choc entre la cinématique oui, et le combat. Oui, c'est l'avantage. Et puis finalement, ça n'aurait pas d'intérêt soit de reproduire exactement l'animé. Enfin, soit de nous mettre des scènes de l'animé, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils réinterprètent l'animé avec le moteur du jeu. Et on a les répliques. La plupart des doubleurs originaux sont de retour, bah, sauf ceux qui sont décédés. Auquel cas, c'est les doubleurs qui les ont remplacés à partir d'Hadès. Et c'est très respectueux. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de petits détails, notamment sur la partie Asgard. Surtout au niveau des attaques des personnages, des animations. Pas mal de choses qui, on voit qu'ils ont travaillé pour reproduire... des petites choses qui sont vues ça et là dans les épisodes. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de soins et de détails apportés pour les fans. Ouais. On sent un peu de respect. Parce que je sais que le Brave Soldiers, celui qui était juste avant, il n'y a pas de cinématique. Non, c'était que du dialogue. C'était des dialogues en écran fixe, ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Après, pour moi, un défaut qu'on peut déjà dire, c'est que ils n'ont pas les droits des musiques de Seiji Yokoyama. Ça, c'est dommage. Et ça manque. Ça manque fortement. Ouais. Ils n'ont même pas les droits de Pegasus Fantasy, alors qu'ils les avaient sur la bataille du sanctuaire. Du coup, on n'a aucune musique originale. On a des musiques inspirées, mais qui n'arrivent pas à être à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ils n'ont pas réussi à avoir les droits juste de la musique, mais d'avoir les droits des personnages, de les utiliser comme ils voulaient. Parce que je crois que dans le premier jeu PS2, sur la version japonaise, c'était les vraies musiques. Et par contre, ils avaient perdu les droits sur la version européenne. De mémoire. Dommage. Encore les Européens, on se fait encore avoir sur ce coup-là. Je sais pas pourquoi. Donc là, on va parler directement en gameplay. Je vais faire le petit jeune. Je vais essayer de ne pas être mauvais, mais ça commence mal. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas rejoué. Donc on a les gardes, on a tout, il faut que j'aurai compris, voilà. Alors attention, on n'est pas dans des BZ, hein, qui connaissent bien, je vais me faire défoncer. Pour ceux qui connaissent des BZ, c'est un jeu qui ne marche pas au combo à 50 coups, hein, tout de suite. On va essayer de me concentrer
en même temps, c'est pas évident. Bien qu'on puisse quand même faire des beaux enchaînements. Ouais, on a des beaux coups de mots, mais alors, justement, on va venir à un petit reproche que j'avais fait à ce jeu, en termes de jeu, purement jeu de combat, hein, je parle. C'est les combos sont relativement limités. C'est-à-dire qu'on fait le tour entre 4-5 combos et après on va pas en changer et puis il y a l'intérêt d'en faire d'autres ne va pas apparaître non plus. Après, en termes de gameplay, il reste assez dynamique quand on n'est pas mauvais. Et cap, voilà, il y a une possibilité hein, d'essayer de choper une grosse attaque quand même. Donc il y a la possibilité de se protéger, donc attaque faible, attaque forte, la garde, le saut et les dashs. Alors les dashs, pour les néophytes, c'est quoi? Pardon, les... traduction. Pour la possibilité de pouvoir se déplacer très rapidement sur les côtés ou en avant pour pouvoir éviter les coups, éviter d'avoir une garde. Super coup, j'espère que je vais pouvoir les mettre. Oh, il est pas rentré dans le cul, pardon. Et je suis donc là on a vu, c'est quand ta barre de... voilà. La barre du dessus, la barre d'énergie bien évidemment, en bas la barre de cosmos. Quand elle est chargée, comme Mime on voit en bas de l'écran à droite, vous voyez qu'il y a une Big Bang Attack en fait qui est prête à être déclenchée. Et alors, on peut déclencher purement je crois, ou sinon on peut aussi déclencher le mode 7ème sens, c'est-à-dire ouais. Le mode où on voit la galaxie en fait. Ça permet on est plus rapide. Beaucoup plus rapide, on résiste à tous les coups, même si on en prend, on est capable de. Donc ils sont déjà des choses qui avaient été introduites dans la première version PS2. Voilà, ça c'est un petit hommage au manga. Les connaisseurs. Ouais, il y a plusieurs façons de finir les combats avec panache en fonction du coup qui est donné. Voilà, comme dans tous les jeux de combat d'aujourd'hui, maintenant, selon ce qu'on a fait, vous voyez que j'ai un magnifique rang. J'ai jamais fait aussi pire. Donc aussi, là, comme vient d'apparaître, les défis aussi qui apparaissent. Donc c'est des défis qu'il faut le temps du combat à faire, bon, là il reste plus que le rang A au minimum à atteindre, mais de faire certaines projections, de faire certaines attaques, de faire un certain nombre de combos qui vous permet en fait de gagner un petit peu d'argent que vous voyez en haut à droite ici, je vous montrerai un petit peu plus tard à quoi ça va servir. Ça débloque aussi, quand on fait le jeu pour la première fois, ça te permet de débloquer les personnages ou les décors aussi. Parce qu'on peut acheter, on verra après je pense, avec l'argent qu'on gagne en fonction des défis, mais on peut aussi débloquer directement des décors, des personnages au fur et à mesure. Enfin, ce qui donne l'intérêt de finir les différents modes de jeu en fait. C'est ça. Puis d'aller chercher la plupart des rangs S sur les décors. Principe assez simple, moi que j'aime bien. Enfin, voilà, oui, ça reste simple et efficace. Ça accroche suffisamment pour qu'on ait envie d'y passer du temps. Ça rajoute. Je vais dire une replay value. Rejouabilité du jeu. C'est-à-dire de revenir plus souvent dessus sur le jeu parce que j'ai envie de débloquer telle chose, et de finir le jeu à 100%. Quoi. Donc il ne s'autorise pas non plus de fantasy dans le scénario. Il reste fidèle, il n'y a pas de problème là-dessus. Parfois ils font des petites ellipses en fait. Plutôt que de répéter plusieurs passages, ils vont le synthétiser pour que ça corresponde aussi au déroulement, parce qu'en général il faut apparaître, si un ennemi a rencontré plusieurs personnages, on va y avoir droit dans la foulée, mais en tout cas ils vont synthétiser ça de manière à ce que ça rentre dans le canevas du jeu. Et une chose que j'aime bien, c'est peut-être moins marqué dans celui-là, mais il me semble, c'est que les répliques aussi, donc parfois c'est les répliques pures de l'animé. Alors bon, là en l'occurrence on est sur Asgard, donc forcément il n'y a pas d'autres sources. Par exemple, moi qui suis fan notamment du Sanctuaire, ils ont réussi à mixer les deux supports que sont le manga et l'anime qui avaient des sources divergentes. Et on a droit à des passages qui sont normalement pas dans l'anime mais qui sont dans le manga. Après, là, peut-être que je mélange peut-être un peu parce que c'était déjà le cas dans le jeu La Bataille du Sanctuaire. Mais par exemple, quand Ikki doit affronter Saga, on nous montrait ce qu'on ne voyait pas dans l'animé, c'est-à-dire Ikki qui croise Shiryu, Shen et Hyuga dans leur temps respectif en remontant. Et ça, c'était adapté. Et pareil, quand vous vous battez contre un adversaire, on le voit, il y a des répliques en dessous. Et toutes les répliques font référence à des choses de l'animé. Ils essayent par là de respecter un peu le côté très dialogué de Saint Seiya, puisque effectivement, ça me permet de dire ce qu'on s'est dit tout à l'heure avant de faire cette vidéo, c'est que bon, le jeu idéal
pour moi, c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait sur Saint Seiya à l'heure actuelle. Bien qu'on n'a pas testé la version mobile, là, mais je crois que c'est un beat'em up, donc bon, ça n'a pas lieu. C'est pas... Alors, j'ai pu tester rapidement, même s'il fonctionne pas super bien. Ah oui, tu l'as testé, ouais. Et non. Voilà. Le truc de Saint Seiya, c'est que même si ça a l'aspect d'un truc de combat, c'est pas une série de... Ah, l'intérêt, c'est les combats, c'est pas Dragon Ball Z. C'est... Le format idéal pour Saint Seiya, ça serait un jeu de rôle, en fait. Puisque les combats, c'est majoritairement du tour par tour, et que c'est beaucoup basé sur une évolution dramatique, voilà, ouais. Les dialogues entre les personnages. Et les attaques ne sont là que pour faire avancer les choses. Pour un petit combat sympa, que je connais. Et donc là, on est repassé au sanctuaire. Donc là, je suis passé au niveau du sanctuaire. On va essayer de faire un S là-dessus. Donc là, c'est juste pour me faire plaisir, parce que j'ai le chevalier d'or du scorpion. Par contre, j'ai passé les airs, je ne vais pas tout les infliger non plus. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on les a vu une fois, on a accès à toutes les scènes, on peut les revoir, ouais, dans, comment dans un mode, je sais plus comment ils appellent ça, bon, le mode collection, ouais. Voilà, où vous avez tout ce que vous gagnez débloqué dans le jeu, et vous pouvez revoir, écouter les musiques, c'est pas génial, donc il n'y a pas d'intérêt, mais vous pouvez revoir les cinématiques. Donc je l'ai dit, mais bon, ça reste quelque chose de... un jeu de combat quand même relativement nerveux. J'ai peur qu'il me la mette, celle-là. Il va arrêter de se protéger. C'est vrai que oui, moi qui avais joué différents jeux 3D qui se sont faits, c'est celui qui est le plus pour ça que je trouve que c'est le meilleur, qui a le plus synthétisé, enfin qui a réussi à une espèce de maturité dans son gameplay. C'est-à-dire que le premier, on lui reprochait qu'il était un peu lent, pas beaucoup de coups, on arrivait vite à trouver les mécaniques. Alors celui-ci, vous savez, comme tout jeu de baston, je pense qu'au bout d'un moment on trouve les mécaniques, ouais, mais ouais. Est suffisamment riche dans son gameplay et suffisamment nerveux pour permettre quand même de... grande variété un peu dans les combats. Et bah, du coup, bah, je trouve qu'il passe bien. Il y a aussi le reproche que... Oh non. Pardon. Ce qu'on avait reproché aussi aux anciens opus, c'était de trop facilement... Non, les personnages se ressemblaient énormément. C'est-à-dire que les combos fonctionnaient de la même façon, ils avaient un peu le même type de gameplay. C'est vrai, c'est vrai. Alors que là, même si, évidemment, c'est toujours les mêmes touches, mais... il y a pas mal de persos qui se jouent pas du tout, voilà, de la même façon. Il y a des joueurs, des persos à distance, des persos qui sont purs corps à corps. Enfin, ils se jouent différemment, leurs combos se lancent pas de la même façon. Et du coup, donc là, j'ai lancé une grosse attaque, c'est pour les fans, surtout. Donc c'est l'attaque Big Bang qu'on peut lancer une fois la jauge en bas à gauche bleue à fond et qu'on active le 7ème sens. Ça permet de faire des grosses et d'avoir des représentations un petit peu de toutes les attaques qui sont d'ailleurs toutes différentes. On en a un paquet. Bah, elles sont toutes, hein. Ouais. Toutes les attaques de plein des personnages sont représentées en Big Bang. Hein. Un gros paquet. Donc voilà, là c'est surtout le mode, je vais faire suivant, c'est l'arbre 2, histoire, donc qui est super intéressant. J'ai vraiment passé du très bon temps sur ce jeu-là au niveau histoire. Passer l'attaque parce que... Bah, ça permet de revivre l'animé voilà, sous un autre angle. Une autre façon en fait. Ça permet d'en prendre totalement part. Et oui, en plus. Tant oui. que fan, bon, j'aime bien. Je trouve ça vraiment. Je retourne en arrière pour vous montrer un autre style. Oui, même pas mal de missions. Ça va, le chapitre. Un truc que je trouve un peu dommage, c'est que le mode histoire est assez cadenassé. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé de le jouer de la façon dont on vous l'impose. Vous devez faire les combats avec les personnages qu'on vous impose dans la configuration qu'on vous impose. On peut pas, si on a envie, par exemple, là, moi j'ai envie de prendre Shiryu et me battre contre Milo, et puis avec une autre armure, etc. Vous n'avez pas cette liberté-là. Alors vous l'avez dans les autres modes de jeu, mais vous ne pouvez pas le faire dans le mode histoire. Donc là, justement, pour rebondir là-dessus, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, le Saint Seiya au niveau des piliers, de l'arc de Poséidon, ils se séparent pour aller affronter les différents généraux de Poséidon. Et en fait, sont représentés comme ça, sur une colonne où on va faire différents combats. Mais comme
tu disais, voilà. C'est vrai qu'on les fait dans l'ordre qu'on veut, voilà. D'imposer. Donc, ouais. On n'est pas obligé de respecter l'ordre de l'animé, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Mais par contre, effectivement, c'est très cadenassé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ça. Donc, on peut pas faire de fantasy au niveau du niveau, enfin, du scénario. Oui. Je montre rapidement à Hadès à quoi il ressemble. Hadès qui est la partie la moins bien adaptée. Puisque, alors, on va jusqu'au bout, c'est vrai. Ouais. Contrairement à la version PS2. Néanmoins, on est loin d'avoir tous les spectres. Oui. Et du coup, en fait, ils nous ont beaucoup. Je crois qu'ils nous resservent des combats. Pour le coup, là, ils prennent des libertés avec l'animé. En nous resservant, je crois que Radamante, ils le font intervenir plusieurs fois. Là où il n'intervient pas dans l'animé, parce qu'il vient remplacer des spectres qu'ils n'ont pas adaptés. Ouais. Et puis, du coup, comme ils n'ont pas adapté tous les spectres, ça passe assez vite. On n'a pas Papillon, on n'a pas Pharaon, etc. Bon, la partie Hadès est un peu plus légère. La partie Hadès va jusqu'à Elysion, préciser. On va quand même jusqu'au bout. Mais on voit pas certains combats qu'on aurait voulu jouer, de toute façon. Et du coup, la partie qu'on a la plus longue, c'est la partie Junicu, puisque forcément, ils avaient juste à nous remettre les golds. D'ailleurs, moi, je trouve dommage, dans cette partie, on nous fait jouer... On nous fait jouer les gentils, entre guillemets. Ouais. Mais pour moi, les gentils, c'était les renégats. Voilà. Alors, on nous fait pas jouer les renégats, on nous fait jouer les golds. On fait vraiment jouer que les golds ou les bronzes. Ouais, les bronzes, on les joue sur la fin. Ouais. Alors, deuxième mode de combat, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Les combats en ligne, j'y suis. J'ai essayé une fois, mais... Moi, je sais que ça, sur la PlayStation 3, ça, j'avais énormément de... Alors, je vais essayer juste pour rigoler. De lag, ça marchait pas. J'avais du mal à trouver des adversaires et ça sautait les combats. Mais bon, c'était peut-être dû à ma connexion quand j'ai essayé. Après, je vais chercher une session, si tu veux. Okay. Je pense pas. Je pense que j'avais essayé, en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais pas, ça marche. Bah, voilà. Fessé en direct. Je pense que je vais faire des... Parce qu'en général, les mecs qui sont là-dessus, c'est des gros bourrins. Ah oui, oui, je pense que... Alors, j'espère qu'il va pas parler au micro. Alors, sinon, il sera un guest dans la vidéo. Ouais, c'est clair, c'est la première fois que j'essaye, et voilà. Enfin, je réessaye depuis. Je sais pas que je maîtrise. À peu près. C'est lui qui a choisi le niveau. Alors, on n'a pas la nationalité de la personne avec qui on va jouer. Je sens qu'il va me mettre une fessée. Tu n'auras jamais dû essayer, en fait. Donc voilà, en direct, pour la première fois, j'ai essayé le mode en ligne. La dernière fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Parce qu'on est toujours en écran noir. Mais moi j'avais pas déjeté jusque là. Ouais, ça y est, il fallait que je fasse ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça me fait ça souvent, voilà. En fait, ça marche. C'est pas stable. Ouais. Bon, ça a jamais été trop stable, Bandai, ils ont jamais été très forts pour ça, à part sur Dragon Ball Z. Les autres, ils ont jamais été bons. Alors, après, ce qui est explicable, tout simplement parce que Saint Seiya rassemble beaucoup de fans, hein. Je suis pas en train de dénigrer du tout Saint Seiya. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fans que Dragon Ball Z, par exemple. Hey. Dragon Ball Z, ils mettent les moyens, hein, quand même. Les options, je vais pas vous montrer, on s'en fout. Les collections, donc justement, on en parlait tout à l'heure. L'argent que l'on peut gagner, ou les points qu'on gagne, on les retrouve ici. Donc la galerie, par contre, elle nous permet justement, ce dont tu parlais tout à l'heure, de pouvoir revoir les personnages, les musiques, les cinématiques, les vidéos d'attaque que l'on débloque. En fait, c'est toutes les attaques Big Bang, voilà. Comme j'ai fait avec Yoga tout à l'heure, qu'on peut revoir. Et pour les débloquer, il faut les faire dans le jeu. Il faut les faire dans le jeu au moins une fois. Qui vous oblige à jouer en fait avec tous les personnages et dans toutes leurs versions. Ce qu'on peut dire, c'est que là, quand le jeu est sorti, en fait, il a rebondi sur la série Saint Seiya Soul of Gold. Mm. Puisqu'il introduisait les Chevaliers d'Or en armure divine. Et c'est pas juste des armures, puisqu'ils ont les attaques divines, qui pour le coup, ils ont inventé. Toi, t'aimes pas trop, je crois. Elles sont trop DBZ. Bah ça fait trop DBZ, voilà, là, c'est ça. Moi j'aime bien le fait qu'ils aient fait une variante de leurs attaques classiques. Et par contre, donc, le mode est intéressant, c'est un mode que j'ai trouvé bien, mais qui au fait n'a rien à voir avec l'animé Soul of Gold. Ah oui, ça c'est les attaques. Ouais, c'est les attaques. Hein. On montre juste une rapidement, vous pouvez toutes les voir. Les attaques des guerriers sont super. Les jouabilités, les attaques chez les guerriers divins sont très soignées dans le jeu. Il y en a deux, trois qui sont un peu.
cheatés quand même sur ce coup-là. Ah, ils sont ultra puissants. En plus, ils sont très grands, j'ai pas compris pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait plus grands. Ils sont beaucoup, beaucoup plus grands. Alors, ils sont certes les personnages du Nord, peut-être un peu plus grands que les personnages dans l'anime, mais Thor, j'aurais dit. Voilà, que... ils sont vraiment beaucoup plus grands que la plupart des personnages. Donc, du coup, ils ont un peu plus d'allonge. Oui. Ce qui peut avantager sur certains combats, on va pas se mentir. Ils sont bien boostés. Donc là, la galerie nous permet de revoir donc, les attaques de bande, les cinématiques, de réécouter. Pas génial. On a les skins des personnages aussi qu'on débloque. Mmh. Bon, ça c'est les trucs qu'on retrouve un peu dans tous les voilà, jeux. Voilà, c'est ça. La boutique collection, donc c'est là où on achète ce qu'on aura besoin. J'expliquerai à quoi servira, enfin sert les répliques de combat, je vais montrer. Les objets, en gros, pour résumer, ça sert que dans un seul mode, ça je crois. Bah oui, tout ça c'est dans le mode. C'est que le mode. Sous Love Gold, justement. Qui a ce petit côté un peu quête. Voilà, donc là acheter tous les costumes, ça c'est pour. Vous savez que tous les bronzes ont déjà au moins 5 costumes, si je dis pas de bêtises. La première version de leur armure, la deuxième, la troisième, la quatrième et la Kamui. Oui, et puis la version civile. Ah oui, on a ça. Il y a aussi les versions OCE. Ah oui, oui, oui. Non, il n'y a pas les versions brisées par contre. Pour certains personnages, après il y a les versions sans le casque. Pour les golds notamment, vous les avez sans le casque. Certains golds, vous les avez en civil. Il y a pas mal de choses. Ouais, voilà. Les personnages féminins, vous avez sans masque, en tenue d'entraînement. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs à débloquer. Ouais. Moi, juste de mon côté, j'en ai pris pas mal. Ouais. Et après, alors, moi, j'ai déjà vu sur YouTube des gens. Alors, je sais pas si c'est des mods qu'on doit télécharger ou si c'est juste des fans qui retravaillent sur le moteur, mais qui créent des nouveaux personnages en fait. Ah oui, bah, ils doivent. Mais c'est des skins en fait. Ouais, ils utilisent le moteur du jeu juste pour faire les skins. Voilà, mais c'est super bien fait. Moi, je sais pas comment ils font. Ça c'est les modèles de personnages, donc ça c'est pour débloquer des versions de personnages aussi, que je n'ai pas encore débloqué. Donc voilà, l'armure divine, enfin tout ça. Les niveaux, parce que j'en ai pas beaucoup non plus, j'ai de quoi en racheter un, je vais reprendre un parce que j'en voulais un. C'était celui-là. Vous verrez pourquoi après. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez acheter tout ça. Vous les faites, vous voyez, même en combat en coop ou enfin en J1 contre J2, on gagne de l'argent. Oui, sur chaque mode, ça permet d'avancer dans le jeu en fait. Donc tant que vous jouez, vous gagnez, donc il n'y a pas de soucis. Donc voilà, c'est un mode vraiment à part où voilà, à quoi sert l'argent, les options. Bon, on va en ligne, on vient d'essayer. Là, ça, c'est une des grosses nouveautés quand même de ce jeu de Saint Seiya. La bataille d'or. Nous allons incarner un chevalier d'or. Pas tous en fait. Oui, on peut tous les incarner. J'aurais peut-être pas du chevalier parce que je crois que je l'ai fini. T'as pas fini à 100% parce qu'ils sont pas tous, t'as pas toutes les flammes bleues. Ah oui. En fait, il y a le premier mode. Ah ouais, voilà, ça fera. En fait, ça c'est le mode qu'on débloque. D'abord, il faut faire le premier mode qu'on a avant, je crois. Dans le jeu, quand vous commencez, voilà, vous avez. Où tu te déplaces là où... Alors, non, en fait, celui-là, c'est. Non, ah oui, c'est d'abord celui-là et ensuite ça débloque. Ça débloque celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, en premier, ça fonctionne sur celui-ci. Donc, ça fonctionne sur 3 cercles, hein, comme vous le voyez. Voilà. Et pour chaque goal, vous aurez 3 combats différents qu'il va falloir réussir. Donc, en bleu au maximum pour gagner plus de récompenses. Quand vous finissez toutes les flammes, je vais montrer juste un combat après. Ouais. Quand vous arrivez à débloquer au moins toutes les flammes partout, vous pouvez choisir ce mode là et en fait vos personnages, ah, personnages, ça donne accès à tous les personnages et surtout vous voyez en fait en haut à droite là tous les pointillés, je ne sais plus avec lequel j'avais essayé, je crois pas les gars que tu avais équipé, ouais, je sais même pas si on l'a équipé, hein. C'est beau. Pourtant j'étais sûr d'y avoir si j'avais joué avec Camus. Et soit avec ça. Donc en fait, ce sont les fameuses phrases que l'on achète et qui en fait débloquent des capacités pour votre personnage. Récupération automatique de santé et puissance de mes attaques spéciales à plus de 10%. Donc c'est pareil, ça s'achète ou ça. Il faut déjà les débloquer avant de pouvoir les acheter. Oui, c'est ça. Il faut ensuite, une fois qu'on l'a débloqué, pouvoir l'acheter. C'est un peu plus cher, donc ça nécessite un petit peu plus de temps de jeu. Vous voyez aussi que j'ai pas trouvé le personnage. 3, ouais, c'est ça, il manque 3. C'est les versions. Ça doit c'est être les versions. C'est les camus des bronzes, c'est des costumes à acheter en fait. Ouais. Donc voilà, donc vous prenez le personnage et je vais montrer aussi après. Je vais faire en premier le mode normal pour montrer rapidement. Je ferai
ferai pas les trois combats, je vais tenter d'en faire un bleu sur... Donc plus vous allez à l'extérieur et plus le combat est difficile. Il est pas non plus... C'est ça. Il est pas non plus super. Sachant que donc au début vous avez commencé avec Aiolia et au fur et à mesure vous devez ça débloquer. Il faut débloquer avec... Il y a les torches, je vois qu'il y a les torches, je me rappelle, c'est des trucs qu'on doit acheter mais je sais plus à quoi ça sert. Est-ce que ça sert pas à allumer... Ah bah si c'est ça, on est obligé d'acheter les torches pour avoir pour, les pour permettre d'allumer les... C'est quoi les torches sont allumées, ça donne l'accès au combat. Voilà. Alors ce mode, bien qu'il soit Soul of Gold, ne respecte pas la série animée, mais on a des thématiques proches et en fait chaque personnage, voilà c'est ça, voilà. Et j'ai bien aimé. L'intérêt c'est qu'il y a des... Ils ont relié en fait les personnages par affinité, voilà. Et ils permettent d'aller plus loin que la série, ce que j'ai beaucoup apprécié. Bah, je trouve que c'était une très bonne idée. Oui, oui, oui. De sortir un petit peu du carcan de l'animé ou du manga et d'essayer de... faire des choses intéressantes, ça dure pas très longtemps, mais je trouve qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Ouais, et puis voilà, ça... Et ça relie les personnages entre eux. Ça relie les personnages entre eux, ça aborde leurs relations, enfin, voilà, tout est lié, donc là, forcément des joueurs qui demandent pardon en gros à Heroes, ce qu'on n'a pas l'occasion de voir dans la série Skull Girl, mais là, ils nous montrent. Et puis ça va pas plus loin que voilà. Ça, mais c'est sympa, et vous avez ça pour tous les personnages. Ouais, petite scénette, mais c'est sympa. En tant que fan, ça m'a bien plu, ça. À mon côté fan qui a beaucoup plus plu, après... Ah non, c'est bon, tu fais. Donc les golds sont un petit peu plus violents, je trouve. En version Soul of God, comme ça. Enfin, en version... Je les trouve un peu plus violents à... Ah ouais, mais j'ai l'impression qu'ils aient... À au maîtriser. Niveau de leur coup de base, je crois qu'ils aient... Ah ouais. Je sais pas s'ils sont beaucoup plus... Je crois pas qu'ils aient beaucoup plus de coups. À part que leur Big Bang Attack... Oui, alors... Ça, c'est pas bien. Alors, déjà que j'aime pas ce perso. Mais alors, si en plus il s'y met, t'as frité. Ouais, mais toi, t'as ta petite orgueille. Elle se passe bien la sienne en plus, je pense qu'il avance. Ah oui, j'ai essayé de passer. Ah, trop tôt. Putain, con. Le naturel. Oui, le naturel revient vite sur les jeux de combat. Puis là, c'est vite mental. Non, non, si tu me laisses tranquille. Je crois que j'ai la manger en fait. On va enverra la sienne. Voilà, on verra pas la mienne. À défaut. Donc voilà, les combats, quand on est à peu près bon, normalement ça passe mieux. Et là, c'est une difficulté. Pas imposable dans celui-là, mais assez. Enfin voilà, il faut quand même jouer un petit peu avant de réussir à les déboîter et obtenir le. Ouais, le rang. C'est le bleu ou c'est le bleu hein, le meilleur. Le bleu, ouais, c'est le meilleur. Non, référence à l'animé. Oui, c'est ça, c'est la couleur bleue. Ah, il m'a pas tué, je pensais. Ah oui, mais bah, ça te donne la chance de figer la tienne. Ah bah oui, non. Bon, voilà, vous avez vu, hein, après le combat fonctionne de la même façon. Ils fonctionnent comme les gold version normale. Hein. Le combat, moi j'ai trouvé un peu plus violent. Après, c'est peut-être qu'un sentiment personnel. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression. Juste que leurs Big Bang attaques sont plus faciles à placer en général parce qu'elles elles prennent ouais, elles un prennent, maximum, c'est ça, ça les rend plus. Ça les rend d'eau du coup. Et peut-être si, peut-être qu'ils se chargent plus vite en cosmos, c'est peut-être ouais. Ça la différence. Du coup on est plus. Ouais. Donc, bon, après là j'ai peut-être voilà. Des conneries, hein, c'est mes souvenirs. Donc une fois qu'on a débloqué toutes les flammes, ça permet de passer au deuxième mode. Je vais prendre Camus puisque c'est le seul jeu que je crois sur série. Je vais jouer avec Camus. Attends, c'est un de mes personnages préférés. Voilà, ça fonctionne différemment. On a la sélection de la zone aléatoire. Je me souviens plus du tout comment ça. Ah, il faut atteindre 20 000 points. Pour se retrouver jusqu'à l'extrémité, c'est ouais, ça c'est en fait, il y a déjà des objets récupérés dans les coffres. Mais bon, il faut aller au combat sur lequel ceux-ci trouvent. Et en fait, on gagne des points en faisant des combats. Mais du coup, on tourne le cadran d'un 12e, puisqu'on a 12. Et chevaliers d'or, 12 chevaliers d'or, donc il y a un cadran. Et en fait, il faut arriver à remonter vers les coffres pour pouvoir gagner. Je crois que j'ai jamais fini une seule fois. Si, moi j'ai déjà fini, je crois, alors je sais plus si on a le droit d'abandonner. Parce que en fait, quand si vous perdez, vous perdez assez quoi. C'est tapis en fait. Ouais. Si vous cumulez plein de choses, mais si vous perdez un combat, c'est fini, vous avez tout ce que vous avez cumulé, vous l'avez perdu. Ah, c'est ça, donc je crois qu'il vous propose de sortir que vous avez gagné un truc. L'intérêt étant d'aller les objets débloqués sont de plus en plus intéressants. Ah, mon chien.
Si, moi j'ai déjà dû réussir à en finir quelques-uns. Mais c'est assez difficile hein, comme en fait, tout l'intérêt d'acheter des objets, ouais. De faire que votre personnage soit. Parce que quand on arrive sur les extérieurs, ouais, c'est chaud. Ouais. Donc on voit qu'on a des bronzes secondaires. Mais pas tous. Non. Et que je... Si, il y a Ichi aussi. Ichi, il est dedans, ouais. Et j'ai bu Ichi, quoi. Ah, voilà, donc ça, c'est les phrases de combat et je me suis fait voilà. En fait, ça les déclenche au bout d'un certain moment. Ouais, elles sont. Et il n'a pas envie de déclencher d'autres. Et du coup, ça leur donne une protection ou ouais. Un supplément de force. Ah, c'est dommage, j'ai pas pu le finir. On voit le respect des tailles entre les personnages aussi. Et j'ai bu beaucoup plus petit que lui. Ah. Le S, meilleur moi. Magnifique. On voit pas du tout que je maîtrise. Voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, donc quel que soit le mode, vous allez gagner des pièces en haut. Donc, ça, c'est très bien. Et voilà, donc le bonus de résultat. Donc le combat valait 1000, si je me souviens bien. Mais ça m'a bonus de résultat à fois un 5, plus les points qu'on gagne au combat, réellement. Les points qu'on a gagnés tout à l'heure. À la fin du combat, qui m'ont obtenu leur S. Et donc là, si je ok, voilà, en fait j'allume et voilà, ça me décale. Pour passer au rang supérieur, mais pour passer au rang supérieur, il faudrait que je passe il faudrait que je fasse un tour complet pour pouvoir faire. Voilà, c'était pour vous montrer, ça vous permet de gagner. Donc c'est un mode pour lequel on peut passer des heures si vous voulez faire avec tous les personnages, ouais, etc. C'est ça. Ouais. C'est vraiment un mode assez riche. Mais le jeu, je trouve assez riche, hein. Il y a beaucoup de choses à faire si on veut vraiment tout débloquer. Parce que là, on en a montré qu'une partie. Encore. Ouais, on monte une partie rapidement. Je crois qu'ils ont un peu mis tous les modes de jeu qui étaient possibles. Donc ça c'est la grosse nouveauté on va dire par rapport à ce moderne, aux opus précédents. Et vraiment c'est un mode de combat qui était vraiment sympa, qui effectivement apporte un défi en plus parce que les combats sont quand même plus difficiles, mais qui est original. Et surtout qui propose en plus que pour les fans voilà, des petites interactions entre les personnages qui est super intéressante. Bien ça. Donc cette fois-ci, on va passer aux choses sérieuses. Nous allons passer au mode combat, mais pas en ligne. Donc le mode combat, il y a plusieurs façons d'y jouer. Donc le banal combat versus, le survie qui est un classique des jeux, hein, des jeux de combat. Inventé par Tekken 2, ouais. Je me rappelle, historien des jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Le tournoi intergalactique qui fait totalement référence à l'animé, enfin ouais, c'est un mode qui est sympa, j'aime bien. Un mode bien particulier, l'entraînement qui permettra de vous mettre en main un nouveau personnage, je crois que je ne l'ai jamais fait, comme la plupart des jeux de toute façon. En gros, voilà, il y a des enfants à vous battre, je sais plus à quoi ça ressemble, j'ai un doute. Mais c'est voilà. Ah voilà, c'est ça, oui, ok. En fait, c'est un tournoi où on peut jouer à 8 potes ensemble. Donc c'est alternatif, hein. C'est chacun son tour. C'est ça, alternatif, en fait, alternance plutôt. Oui. Et surtout, voilà, ça permet de jouer donc à plusieurs et de faire. Ça existe dans Dragon Ball Z aussi. C'est le mode championnat du monde pour ceux qui connaissent. Qui reprend des tournois en fait. Ça part sur le même principe, sauf que là c'est le tournoi intergalactique. Du début de la série, voilà. Donc sur le ring. Et on travaille sur le ring, et, enfin on se bat et sur moi, le ring. Moi je sais que dans ma version, je n'ai toujours pas fini ce mode. Je crois que j'ai pas été au bout. Il est long, hein, à chaque fois que vous débloquez une nouvelle catégorie d'adversaires de plus en plus dur. On débloque des choses, on gagne de l'argent. Encore un mode qui est lui-même assez long à finir. La survie, hein, je crois. Enfin, si, les modes. Voilà, il y a des classes, modes aussi. Voilà. Bon, voyez, en fait, chaque mode doit déjà y passer du temps. Avant de pouvoir choper et avoir les bonnes techniques, il faut apprendre à contre qui on va se battre. Et il faut s'entraîner. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver de toute façon. Bon, vous voyez, je n'ai pas été très loin. J'ai fait les deux premières classes. Après, en combat, je crois qu'il y a pas mal d'options, c'est sur survie comme un petit nul. Nous allons arriver au combat versus. Donc, le combat versus, on peut se battre contre l'ordinateur, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, il y a quand même vachement plus d'autres modes. Oui, on peut le faire. Si ça a un intérêt, c'est quand vous voulez débloquer des attaques, par exemple. En fait. Ouais. Oui, du coup, vous choisissez tous les tels personnages, etc. Ouais. Ça a cet intérêt. C'est un bon ordi contre. Pas trop l'intérêt, c'est une démo quoi. Voilà, si c'est pour jouer une démo, autant ne pas jouer. Voilà. Ça serait con d'acheter le jeu juste pour faire ça. Donc joueur 1 contre l'ordi et surtout joueur 1 contre joueur 2, mais on a plusieurs modes, oui. Ouais, il y a énormément de choix de règles qui sont
très sympa, je trouve que c'est bien, ça apporte de varier les plaisirs pour se mettre sur la gueule, c'est toujours sympa. On note que le dernier mode est un mode qui vous permet de jouer avec les personnages que vous avez fait évoluer le mode bataille d'or. Le mode réplique de combat, vous avez accès à vos personnages boostés. Ce qui peut vous motiver justement les faire tous en plus et puis après du coup d'avoir deux persos boostés à fond et de s'affronter totalement. D'accord, donc celui-là en fait la jauge de Cosmo, c'est la petite barre bleue qui se remplit en bas de votre personnage, en bas à gauche, vous êtes en voir un. Et c'est-à-dire que quand elle se vide, c'est-à-dire on ne fait plus d'attaque. Vous ne pouvez plus non plus permettre d'éviter les coups, de pouvoir passer derrière l'ennemi, enfin voilà. C'est très très pénalisant. Et en fait vous tombez au bout quand vous avez une attaque qui vous projette. Celle-là, je crois qu'elle est pas évitable. On est obligé d'être par terre. Il n'y a pas moyen. La projection à... Ouais. Non, surtout forcément par terre. Il me semble qu'il n'y a pas de recovery dessus. Non. Ça, par contre, sur certaines attaques qui vous balancent un petit peu plus loin, à la fin d'un combo, il y a toujours moyen de se rétablir. Oui. Et c'est pour obliger à être très rapide. Sans démasquer, ça, c'est assez marrant à faire. Ah mais c'est sur la barre de vie. Voilà, on voit pas la barre de vie de l'autre et c'est assez stressant. Oui, parce qu'en fait vous-même ne savez pas où vous en êtes. Voilà. Oui. Stratégiquement, vous ne savez plus comment trop agir et vous êtes un peu plus prudent. Pas de blocage chez votre bois, en gros. Il n'y a pas de garde, oui. Donc là, vous brûlez l'autre. Septième sens, donc on est déjà directement au septième sens. C'est-à-dire vos attaques sont plus rapides, vous avez un cosmos possibilité dans le septième sens en plus. Oui. Donc là, vous allez brûler les attaques. Alors ça, c'est le sens de kill, c'est le golden eye, c'est vraiment un coup on meurt et celle-là j'aime pas, je trouve Ah, ça tue un peu le jeu, voilà, c'est rigolo à faire de temps en temps mais c'est tout quoi. Bon, il le propose et à 3 reprises pour remporter le combat, donc ça il faut donc mettre votre en fait c'est la règle du catch, alors c'est pas la règle du catch parce que je crois que c'est pas comme ça, mais en fait vous mettez 3 fois votre adversaire par terre et vous avez gagné. Oui. Sans qu'il puisse se relever, parce que vous avez quand même la possibilité de vous relever encore. Donc là, ça va être beaucoup de jeux à la prise ou au combo quand l'autre n'a plus. Oui. C'est-à-dire que ça, les enchaînements qu'on fait, ça fait rien à l'adversaire de lui bourriner la tronche. Voilà. Il n'y a que quand il chute qu'il perd de l'énergie. Voilà. Et il peut aller avec le normes. On va se mettre sur la gueule avec des règles normales. D'ailleurs, tous ces trucs-là sont utilisés dans le mode tournoi intergalactique. Ouais, c'est ça. On a les mêmes règles à ce moment-là. Donc vous voyez qu'en panel de personnages, on ne pourra pas dire qu'il n'y en a pas. Alors on a même les versions des bronzes en dehors. Alors ils les considèrent comme d'autres personnages. Ouais. Sachant que... Sachant qu'ils ont un gameplay différent. Ça respecte leur évolution dans la série. Par exemple, Shiryu, mon personnage de bronze préféré. Si vous le choisissez... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi là Ah oui, c'est un autre personnage, c'est un autre skin. Donc Shiryu en V1, vous voyez qu'en dessous, vous avez... Je montre, alors, vous le voyez pas en fait, mais je montre avec mon doigt comme si vous pouviez voir ce que je montrais. Le mec qui n'a pas l'habitude. Vous voyez qu'en bas, donc il y a sa version et vous voyez l'attaque en vol du dragon, donc vous choisissez sa Big Bang Attack. Je sais plus comment on fait, mais vous les avez débloqués, vous avez le choix. Je suis sur Saiyan, donc j'ai mes vous choisissez ce que vous voulez en Big Bang. Donc j'ai un Meteor de... Non, ça, c'est le skin justement. Donc Meteor de Pégase, comme il est Pégase, ou le tourillon de Pégase. Voilà, ah bah si tu lâches sans son casque, chérie. Donc là, il est en V2 avec le casque, il est en OCE. Ouais. Il est tout nu. En civil. En V3 OCE. En civil. En V3 animé. En V2 armure d'or. Voilà. Et donc en fait, en fonction des variations. J'ai peut-être une connerie. Non! Je confonds avec un ancien jeu. Non, par contre, c'est dans les attaques en dessous vous avez accès à différents. Voilà, par exemple, Shiryu, il a Excalibur qu'à partir du moment où il a la V2. Ouais. Vous n'avez pas accès avant, par exemple. Et donc, ce que moi, en fait, plus j'étais plus parti sur autre chose. Ouais. C'est-à-dire que, non, on va dire, c'est le même personnage, c'est juste son skin qui différencie. Non, parce que le skin, on peut le changer à partir d'ici, comme ça, comme tu as fait toi. Mais moi, en changeant de personnage, je change de gameplay. Oui. Donc les 4 personnages là, c'est beau être Seiya pour les 4, parce que Seiya c'est un héros, on ne rappellerait pas Saint Seiya. C'est 4 gameplays différents. Vous n'allez pas jouer le personnage de la même façon, il n'a pas les mêmes coups, pas les mêmes attaques. Et
je me suis fait avoir avec justement Seiya, où je suis parti sur l'armure d'or en fait, et je me suis fait laminer parce qu'en fait j'avais l'habitude de l'autre. Donc les gameplays sont relativement différents. Oui, bah, notamment le Seiya Odin se bat très différemment, il se bat avec l'épée. Donc vous voyez, vous avez tous les bronzes, on a ici. Voilà, pour les donc, gold, comme je disais, Ishii, on l'a bien. Oui. Donc deux bronzes secondaires, on a quelques chevalières d'argent. Nous avons aussi Orphée de la saga de Hades. Il a parce que c'est Hades, mais on n'a plus, par exemple, dans les précédents jeux, il nous avait fait Misty. Qu'ils auraient pu remettre ici, qu'on n'a pas. Surtout qu'en plus, les, enfin, au niveau skin, ça leur a pas. Non, ça n'aurait pas coûté plus que ça. Moi, je trouve dommage qu'on ait pas plus de chevaliers d'argent, au moins les plus connus. Ouais. Et puis quelques spectres en plus, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa, oui, parce que voilà, dans le roster des spectres, qu'est-ce qu'on a. En fait, vous vous apercevez que c'est quand même beaucoup les chevaliers d'or, hein, qui sont représentés dans le jeu, du coup, puisqu'ils sont là-dedans. Vous avez les titans, hein, vous avez Rindamant, Minos, le dieu Hypnos, Ick, et... j'ai oublié, Hypnos, Thanatos et Hadès. En gros, pour la partie Hadès, c'est tout ce que vous avez. Et parce qu'ils considèrent que Orphée fait partie de la partie Hadès. Et vous avez les gold renégats. Donc en fait, vous avez quasiment pas de personnages d'Hadès. C'est le petit. Même côté fan, côté jeu pur, c'est un peu dommage. Et puis, moi, je trouve qu'ils sont pas super réussis comme personnages, les juges. Ils sont pas très intéressants. Hadès. Je vous conseille Hadès. Hein. Hadès, c'est un gros bourrin, Ah, parce que j'ai. Mais alors. Torcher le jeu comme vous voulez. Il y a Hilda aussi qui est pas mal. Alors par contre. Elle est moins rapide. Ouais. Mais chez les Garidiens, ils sont tous. Bon, à part Torque. Hein. Je sais pas si ils ont respecté sa taille. Ouais, il est vachement grand. Du coup, il est un peu pénible à jouer à cause de ça. Mais. Mais Asgard, ils sont. Ils ont super bien fait. Alors un que j'aime beaucoup, c'est Bud. Je vais vous montrer. Je vais le prendre, tiens. Alors, si tu Je me suis trompé. C'est sur 15. Parce que j'ai pas l'habitude de. Donc en fait on teste la manette de PS4 sur le jeu, moi je suis avec une manette de Xbox. Ouais, je vais sûrement jouer comme une grosse merde parce que ça fait longtemps et en plus j'ai plus mes réflexes habituels. Et en plus la manette de PS4, je ne sais pas pourquoi, mais alors ça c'est par contre un défaut du jeu, je sais pas si c'est que sur le jeu version PC de toute façon. Je suppose que tu vas pouvoir changer sur les autres plateformes, soit la PS3 ou la PS4, mais les touches directes, enfin les touches pour diriger avec la PS4 est pas terrible. Xbox ça va, mais Xbox c'est bien, mais PS4 pas terrible. Alors après à voir, hein, c'est peut-être que sur moi, chez moi. Donc t'as pris un divin. Je peux pas résister. Alors vite de prendre un divin. Un truc qui m'a impressionné, moi, c'est que. Ils ont réussi à retrouver tous les doubleurs des gars à divin. Alors que la série, ils ont pas pris des digits vocales de la série, les mecs sont venus réenregistrer leur partie et peut-être, je crois qu'ils y sont tous là pour le coup. Parce que moi je suis assez féru de la VO et je reconnais bien les voix et c'est. Vous avez bien la possibilité de mettre le jeu parce que je l'ai en VF. Précisé en VF. Je vous le déconseille très fortement. Est-ce que c'est quoi comme VF? J'ai même pas essayé. Ouais, j'ai tout de suite mis VO. J'ai même pas cherché. Alors, on va essayer de faire quelque chose de correct. Alors qu'on remarque les décors, voilà, respect. Là, on est dans la grotte dans laquelle se battent Yoga et Hagen. Donc voilà, alors, esthétiquement, moi le jeu me plaît très bien. Ouais, c'est parti. Si j'arrive, j'essaierai de vous montrer quelque chose. Bon, je triche un peu parce que. Je me suis un petit peu entraîné avant aussi. Hein. On a fait une paire de combats ensemble quand même avant. Il faut le temps que tout revienne. Moi je crois que rien ne va revenir. Parce que là il n'y a rien qui sort. C'est l'autre que je voulais faire. Ah oui, il y a possibilité. Ouais, je vois ce que tu voulais montrer. Je crois que j'ai compris. Avoir compris ce que tu veux. Alors, je vais pas le dire parce que si tu arrives. Donc il y a la possibilité aussi de changer au niveau des rounds, hein, de changer si on veut faire 5 manches gagnantes ou 3. Ou 2. Est-ce qu'on est concentré tous les deux ? On est concentré sur le jeu. Le truc, c'est que moi j'essaie de retrouver, de jouer un petit peu en fait. Quand j'arrive au moins, que ça soit un minimum intéressant à regarder. Parce que le problème, c'est que.
Ouais, j'étais parti sur le niveau esthétique, donc je vais revenir un peu dessus parce que c'est un reproche qui a été fait au jeu quand même. Esthétiquement, voilà, c'était un peu à la ramasse. Ouais, alors c'est à la ramasse, mais est-ce que je dois vous rappeler aussi que les Dragon Ball Z ont quand même un certain cachet un peu minable. C'était une petite pique, voilà. Un Street Fighter 5, mais encore. Personnellement, là, ça. C'est une question de. Ah, ça peut passer. Comment dire, de. D'appréciation. Je préfère un Saint Seiya qu'un Street Fighter 5. Alors, il est moins abouti techniquement. C'est, enfin, Saint Seiya. Mais moi, j'y ai pris plus de plaisir. Bon, après, voilà, de toute façon. Enfin, sentiment du joueur, hein, là, surtout. Il y a. L'intérêt aussi de ce jeu, il est évidemment. Lié à l'affection que vous aurez pour la série ou pas. Mais je pense qu'objectivement, c'est pas un mauvais jeu. Ah non, c'est pas un mauvais jeu. Voilà. Il propose beaucoup de choses, le gameplay quand même plutôt dynamique. C'est ce qui fait la grosse différence avec les précédents jeux, ouais. Je crois que c'est que les autres, on disait, bon, c'est des jeux pour les fans, alors que celui-ci. Bah, celui-ci, il peut plaire aussi à voilà. Un joueur. Il a certaines qualités objectives. Bon, bah, j'aurais pas réussi à vous montrer ce que je voulais. Parce que j'arrive pas à faire la projection en fait. En tant que fan, je crois que c'est ça. En fait, il échange avec son frère, c'est ça. Non, je sais. Non, je crois bien qu'il faut pas qu'il fasse, qu'il fasse ça. Qu'il fasse non, ce que je voulais montrer, c'est la projection que fait. Ouais. Les concepteurs ont dû inventer des coups, hein, forcément. Ouais. Et donc à chaque fois, on voit qu'ils ont observé vraiment l'animé pour pouvoir faire la projection de Bud. Mm. C'est la projection qu'il fait, c'est exactement l'enchaînement qu'il fait. Même dans la façon dont il vous le filme, Aiki pendant le combat. Alors que c'est pas une projection dans le combat, dans ce qu'il fait, c'est juste à un moment donné où, pendant qu'il s'énerve contre lui, il lui fait cet enchaînement et il le reproduit à l'identique. Ce qui montre qu'ils ont vraiment bien observé la série pour faire les personnages. Là, j'avoue que j'aurais pas su. Moi, ça m'avait bien fait tiquer la première fois que j'avais joué, justement. Prends un petit chou, Renega, c'est pour me faire plaisir. Alors. Ah oui, d'accord. Là, c'est juste par pur plaisir du joueur. Il va nous prendre les jardins de Twin Sal, de Sarah, française. Alors, chacun qu'on peut enfin jouer avec son casque. Oui, on peut. C'est un skill à débloquer, mais. Dans les autres jeux, dans les précédents jeux PS, certains golds étaient modélisés sans casque, ce qui moi m'énerve parce que j'aime bien les golds avec les casques, par exemple. Bon, ils ont toujours pas modélisé les capes par contre. Non, c'est dommage. C'est dommage. Ils ont pas voulu s'emmerder. Ce qui est bizarre alors qu'ils ont fait des personnages avec des ailes. Oui, en plus. Je sais pas pourquoi ils ont pas modélisé les golds avec les capes. Tout bon, ils ont fait des jeux. Voir un personnage à cheveux longs, donc ça va pas être bien compliqué. Bon, j'ai enfin de retrouver. Voilà, la projection de choix, c'est le Jumping Stone, quelque chose que je trouve sympa. Ça me rappelle mais nos soirées quand on passait sur la PS3 qui prenait Shura et je me prenais les Excalibur et je râlais. Et moi je suis content parce que dans celui-là, Shura, je trouve qu'il est enfin bien équilibré. Je trouve qu'il est pas trop. Il fait de la distance et du corps à corps. Ouais, et puis il est relativement rapide parce que dans les premiers jeux, je trouvais qu'il était pas très avantageux. Bon, je me suis fait. Là, je trouve qu'ils ont fait une jouabilité qui, moi, me correspond. Mais c'est vrai que, voilà, il y a plusieurs personnages, et vraiment qu'on des gameplays différents. Je fais pas de plus, j'ai déjà fait, je pense. Après, bon, on pourrait dire plein de trucs, hein. On aurait pu dire qu'ils auraient pu faire que les décors soient plus ouverts, qu'on puisse casser des choses, enfin, il y a des choses qui se font dans d'autres jeux, bon. Ouais, mais du coup, le cassage des décors, ça existe dans certains décors, tu peux. C'est pas énorme, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a certains décors où il y a des piliers, etc. Des piliers qui... Mais ça va pas très loin. Voilà. L'arène, elle est relativement courte. Ouais, on tourne vite. Bon. Après, bon, voilà, si vous regardez, on voit que les décors sont quand même reproduits très bien animés. Là, on voit qu'on est dans le jardin, à côté de la Vierge, il y a le temple de la Vierge. On a tous les petits détails. Il y a plein de décors qui sont très sympas, qui reproduisent vraiment bien l'animé. Enfin, voilà, c'est un jeu qui respire le sens un peu du détail. Agréable. Disons. Je pense qu'ils ont été dans l'optique de pas faire forcément que pour les fans en fait ce jeu-là. C'est ça qui me. Moi j'ai eu le sentiment qu'ils avaient quand même écouté un peu toutes les critiques qui leur avaient été faites au gré des versions. Ils ont essayé d'ouvrir. Le jeu est loin d'être parfait, hein, je sais pas.
c'est le meilleur du jeu du monde, hein. Mais je trouve qu'ils ont fait des efforts, qu'ils proposent des choses nouvelles par rapport aux différences de puces. Ouf, ça me fait plaisir, voilà, pour cette vidéo, ce CNS fera un Excalibur. Voilà, il le fallait. L'honneur est sauf. Et peut-être t'es mort. Ah, c'est pas bien possible, si je rejoins, il m'en pas grand chose en plus. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je claque mon attaque aussi. Ah. En plus, je sais qu'il le maîtrise, ça me stresse de jouer. Ouais, mais ça serait mieux si c'était avec ma jouabilité. Ah oui, oui. Alors. Pourtant, en plus, la jouabilité PS3, elle est bien quoi. Enfin, bah oui, non, mais là c'est les boutons sont bien, je sais pas pourquoi. La manette est inversée, enfin, j'ai pas accès à tout. Bon. Je vais pas faire le mec qui mais normalement je. Oui, c'est que la photo à moi. Je m'en fous. Bon, ça va, on a dépassé le stade. On a dépassé ce stade, ouais. Bon, au bout de 15, si on en prend les 15 dans les deux, je pense que ça commencerait à ouais, dire, comme tout le monde, c'est le facteur énervant du jeu de baston. Mais ça n'arrive jamais quand on en prend 15 dans la tronche. Je trouve relativement équilibré, moi, le jeu, en plus, justement. Bah, il y a quelques possibilités, quand même, de toujours remonter. On peut toujours casser des combos, on se fait jamais défoncer. Enfin, quand on maîtrise un peu le jeu, on peut pas se faire défoncer sans réagir. Parce que ne serait-ce que quand vous êtes vraiment acculé, vous pouvez toujours faire exploser votre cosmos. Voilà, ce qui vous permet de reprojeter. Ah, c'est pour ça que je voulais faire. Je vais me rater. Ah pardon, ça c'est moi qui tue le jeu. Je vais rater. Non. Non, c'est pas si puissant. Non, c'est pas celle-là. Ça y est, j'ai oublié comment jouer. Ça y est. Ouais. Allez, prends-la. Non, tant pis. C'était un peu trop voyant que je voulais faire ça. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai cru que t'étais pas mort. Oui, moi aussi. Voilà. Et voilà, les répliques en plus rebondissent à chaque fois. Les personnages ont énormément de répliques de fin de combat. Et selon le personnage que tu utilises. Et suivant l'interaction qu'ils ont, ils se rebondissent. Du coup, c'est intéressant de confronter certains personnages. Ouais, certains justement. Bon, je te propose un petit dernier. Allez. Pour la route. Un dernier pour la route. Et puis on conclura. On conclura. Bah, je te laisse. C'est moi qui dois sortir du coup. Non, c'est moi, pardon. Alors, là, pour finir, allez, on va aller prendre un peu la partie posée. Donc, moi, je vais prendre Krishna. Parce que j'aime bien Krishna. Alors, on va prendre un personnage, je pense pas. Hein. J'aime bien Krishna, bon, dans le jeu, je trouve bof. Mais bon. Ah, Yashion aussi, on a oublié de le dire, mais je sais pas si on avait dit Yashion. Ah, oui, de la version. Yashion et Yakanon en armure d'or. Oui. Ils ont considéré que c'était un autre personnage. Alors, je crois qu'ils se jouent à peu près comme Saga. Ouais, mais... par contre, Saga, ouais, c'est. Alors que Kanon en Dragon des Mers est légèrement différent, je crois. Asgard, on a montré. Non, on a pas pris d'Hadès. Hadès, on va acheter. Tu peux montrer Hadès. Ouais, mais je vais te démonter avec Hadès. Ouais, de toute façon, tu vas me démonter. C'est pas grave. Hadès. Parce que. Moi, ce que j'aime bien aussi avec ce jeu, c'est que ça permet d'avoir une homogénéité graphique. Mm. Et ça me permet de mieux apprécier, même si elle est incomplète, la partie Hadès. Elle, ouais. Elle est mieux dans le jeu vidéo du coup que dans l'anime lamentable qu'on a été tiré après le Junicule. Du coup, ça permet. Sinon, là, on voit les attaques vraiment animées, ce qu'on n'a pas dans la version. Ouais. C'est vrai que. Ça a cet avantage-là du coup. Au moins. Donc, le décor du. Du temple de Poseidon. Voilà. J'aime bien. Ouais. J'aime bien, je trouve plutôt bien fait. Très sympa. Ils les ont très différenciés par rapport à l'anime, les différents piliers. Ouais. Puis les effets d'eau, je les trouve sympas à l'arrière. Il n'y a pas Tétis dans le jeu, par contre, je trouve ça dommage. Non, ouais. Alors qu'il y a d'autres femmes chevaliers, ouais, mais on vous a pas mis Tétis. Ah, putain, excusez-moi. Il y a un mange. Il y a Athéna aussi, d'ailleurs. Ouais. Qui est bien bourrine en armure. Et moi, j'ai vraiment Hadès, c'est le point de base. Ouais, ça va. Lui, il démonte tout le monde. Il désargue. Il est chaud à contrer. Bon, il va choper ça. Bon, c'est ce qu'on a vu. Des choses à dire. C'est la fin là, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà. Bah si, moi j'en profite donc cette vidéo, je fais déjà une mini conclusion sur ce qu'on va dire à la fin.
qui était une première collaboration The CNS Eldred. Alors attends, tiens, justement, là, le jour où je t'ai fait de la pub dans une de mes vidéos, j'arrivais pas à dire... C'est comment la Eldred ? Alors, comment tu dis toi après ? Eldred. Non mais Eldred, oui. Ouais. L'Inoué ? L'Inoué ? Ah, c'est l'Inoué. L'Inoué, ça vient d'où ? Alors ça, c'est super vieux. Alors ça date de l'époque où je jouais encore OMORPG. Et en fait, ça veut dire Fils de la Lumière. D'accord. La chaîne d'Eldred. Ouais. Voilà, donc c'est notre première collaboration. Oui. Bon, je te demanderai pas de venir faire un montage de film. Non, je pense que je vais la démonter, la pauvre. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'en sais rien, on verra à l'occasion. Peut-être s'ils ressortent d'autres jeux Saint Seiya. J'aimerais bien qu'il y en ait. Ou même, peut-être qu'on pourra vous refaire ça, si tu le veux, sur des... Parce que, il fut un temps, j'étais un grand amateur de jeux vidéo. Sur des vieux jeux, c'est vrai que toi, t'as... C'est vrai, puisqu'il pourrait correspondre. T'aimes bien faire des vieux jeux sur ta chaîne. Ma vie de gamer, voilà. Effectivement, choses, ça pourrait m'intéresser. Donc, bah, si ça vous a plu... Alors, évidemment... Cette vidéo va être mise sur nos deux chaînes respectives. Je vous invite à vous abonner à la chaîne d'Eldred, hein, puisque vu qu'il fait des jeux vidéo, c'est un milieu très concurrentiel, il a du mal à avoir beaucoup de visibilité. Donc maintenant vous avez vu son ton, vous savez comment il présente, vous avez pu voir la qualité. Donc je vous invite à lâcher des petits abonnements, ça fait toujours plaisir. Ça me fera plaisir de voir que ces abonnements vont augmenter après cette vidéo. Et ben voilà. C'est ce que je voulais dire, avant qu'on conclure la série, après je sais pas comment tu vas conclure. Eh ben oui, comment conclure après ça. Donc voilà, j'espère que d'une, là, effectivement, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, parce que ça permet de nous réunir tous les deux. Ça fait un moment qu'on voulait la faire. Voilà, ça fait un moment quoi. En fait, la première chose qu'on a voulu, c'était le combat en ligne. On s'est dit peut-être que j'allais proposer, je dis ça se trouve, on va pouvoir jouer à distance et pouvoir faire la vidéo à distance. Bon, vous avez vu que le mode en ligne. Je crois pas que tu puisses jouer entre différentes plateformes. Et j'ai pas l'impression que voilà, ils supportent le multiplateforme dans ces cas-là. Donc c'était une vidéo qui nous tenait à cœur. Moi après j'ai eu un souci au niveau du PC qui est ceux qui connaissent un petit peu plus le framerate, c'est-à-dire le FPS, à chier par terre, hein. J'étais à 20 images par seconde, c'est injouable. C'est injouable et c'est immontrable en plus. Et bah du coup, l'occasion m'a permis de venir jusque chez toi. Mm-hmm. Et s'il faut préciser qu'on n'habite pas plus côte à côte, hein. On est quand même séparés par plusieurs heures de distance, donc c'est des occasions aussi de faire ce type de vidéo collaborative sont rares. Donc du coup, en revenant, et ben le jeu a marché du premier coup, on est arrivé à trouver une bonne config, ça fonctionne, bon à part la manette de PS4, voilà, c'est le seul problème qu'on a eu. C'est pas grave, ça voulait pas. Mais voilà, donc c'était une vidéo vraiment qui me tenait à cœur aussi de partager avec toi. Ça permet de relier nos deux mondes aussi en même temps. Et j'espère effectivement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi à aller voir pour... donc je te laisse présenter quand même ta chaîne. Alors oui, pour les gens qui me découvriraient à travers... effectivement, tu as raison. Qui me découvriraient à travers cette vidéo, donc une vidéo sur un jeu vidéo. Moi, ma chaîne, c'est les figurines de The CNS, donc qui est une chaîne dédiée à la présentation de produits dérivés Saint Seiya, donc en l'occurrence les Meat Claws, puisque en tant que fan de Saint Seiya, je suis collectionneur de figurines. Et du coup, la chaîne sert juste à présenter les figurines. Voilà, je les montre devant vous je mets en pause, je mets en valeur la figurine. Voilà, c'est une façon de partager la passion de ces figurines aussi, une passion qui vient de l'enfance et qui continue aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est moins varié que ta chaîne. Hein. Moi, c'est vraiment un truc de monomaniaque. C'est beaucoup moins fermé et beaucoup plus d'abonnés. Parce que je pense que comme c'est un truc très précis, ça permet on est moins nombreux sur le créneau. Ouais. Il y a ça qui joue aussi. Bon après il y a aussi la qualité de la vidéo. Hein. C'est vrai. Faut pas non plus. Ouais, mais tes vidéos sont de qualité justement. Merci. Donc voilà, pour conclure. Alors je vais te laisser faire la conclusion au niveau fan de Saint Seiya. Je vais faire la conclusion plutôt côté joueur. Plus général. Et ben écoutez. À l'heure actuelle, et toujours, bon, le jeu est certes sorti maintenant il y a 2 ans, pour moi il reste le meilleur jeu vidéo sur Saint Seiya.
Notamment parce qu'il est riche, parce qu'on voit qu'il a énormément, il a vraiment compris en fait la série. Il y a plein de petites touches qui viennent nous rappeler la série. Ce qui fait qu'on a vraiment plaisir à retrouver cet univers, parce que c'est vraiment ça, on prend plaisir à venir se mettre dans cet univers et à y jouer. Moi je suis très content de le posséder, alors j'y joue pas tout le temps, hein, mais de temps en temps l'envie de me refaire peut-être une petite saga du Sanctuaire ou une saga Asgard comme ça, mais en y jouant plutôt que de regarder les épisodes. Et surtout je me dis que voilà, après entre fans c'est sympa, moi ça me sera sûrement un vecteur plus tard pour mon fils, quand je voudrais lui faire jouer à des jeux vidéo, ça sera... aussi l'occasion de jouer à ce jeu-là. Donc voilà. Mon jeu idéal, sincèrement, n'existe pas. Hein. Mon jeu idéal, ça serait un jeu de rôle qui retracerait l'intégralité de la saga avec évolution, etc. Je ne comprends pas que ça n'ait encore jamais été fait. En attendant que ce jeu-là existe, c'est ça. J'espère que je le verrai. Si c'est... Je crois qu'il y avait un projet de jeu en ligne d'ailleurs. J'ai jamais joué, mais effectivement, on en a pas parlé. Je crois qu'il y a un jeu en ligne. Ouais, hein, il y a un jeu en ligne, un MMORPG qui est sorti, mais... Je crois que le style graphique n'est pas tout à fait le même. Ouais, mais je crois qu'il est sorti, enfin, il est disponible que côté, on va dire, asiatique. Ouais, c'est ça. N'est pas... Bon, bref, j'ai pas joué. Voilà. En tout cas, dans ce qui est accessible à nous, on va dire, européens, et en jeu de baston, si on arrive contre jeu de baston, pour moi, c'est un très bon jeu. J'avais bien apprécié la version Bataille du Sanctuaire, mais qui m'avait déplu parce que, justement, on restait autour de la Bataille du Sanctuaire. Ouais. Là, on a élargi. On a Asgard. C'est, pour moi, ça fait quand même une grosse partie aussi de l'affection que j'ai au jeu. On a la possibilité de revivre l'arc Asgard. Donc, ouais, moi, si vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'y jouer et que vous êtes plutôt pas fermé aux jeux vidéo, pour moi, il faut y aller. D'accord. Alors, moi, je vais faire plutôt, donc, effectivement, le côté plus joueur, malgré que je sois fan de Senseiya. Vraiment que de l'animé. Enfin, animé manga. Hein. Malheureusement, les figurines, j'ai pas la patience pour ce genre. C'est déjà d'une, quoi qu'on en dise, c'est un gameplay assez nerveux. C'est esthétiquement, ça respecte la série sur laquelle il est basé. Il n'y a pas de faute de goût, il n'y a pas de mauvaises animations. Enfin, vraiment, c'est un jeu de qualité qui permet de passer des heures, même en n'ayant aucune connaissance du monde sensé. On ne peut pas y venir comme ça. Mais on peut y aller sans aucun souci. C'est vraiment un très bon jeu de baston, que ce soit au point de vue donc effectivement des gameplays des différents personnages. Il n'y a pas de Paradès, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un peu cheaté à fond. Tous les autres personnages cheval, il y a toujours moyen de s'en sortir, donc ça donne vraiment des combats toujours super intéressants. Après, on peut le reprocher à ce jeu-là, c'est la limite au niveau des combos. C'est-à-dire qu'on va vite avoir une redondance au niveau des combos, malgré qu'on puisse les faire. Après, quand on connaît le jeu, on peut les casser rapidement et facilement. C'est un petit défaut. Musicalement, bon, voilà, il ouais, c'est vrai. Musicalement, il est pauvre. Oui. Il n'est pas terrible. Parce que les thèmes il n'y a pas les thèmes. Voilà, excuse-moi, j'interviens dans ta conclusion. Mais ouais, effectivement, on n'a pas les thèmes Saint Seiya d'une. Et en plus, bon, bah, musicalement, voilà. C'est... Rien de mémorable. Voilà, c'est pas mauvais. Mais voilà. C'est... pas quelque chose que vous aurez envie de jouer au piano par exemple, hein. Et par contre ce qui est très bien c'est la partie qui correspond au Soul of Gold, qui est une nouveauté qui est apportée par rapport aux précédents opus, donc du coup qui apporte encore une longévité au jeu vraiment intéressante, en plus de ce qu'on a dit, les interactions qu'il peut y avoir entre les personnages. Donc c'est un jeu vraiment qui est très complet, que ce soit pour un fan de jeu de Saint Seiya, que pour un joueur de jeux vidéo lambda, on va dire. Ne vous attendez pas à Dragon Ball Z, ça je vous le dis d'avance, ça n'a rien à voir, c'est deux types de gameplay complètement différents. Et plus subtil du côté Saint Seiya que du côté DBZ, ça n'en est sans rien, que vaut DBZ. Mais Saint Seiya un petit peu plus subtil au niveau du gameplay. Donc la longévité, voilà, ça c'est un gros plus quoi, la longévité, la rejouabilité du jeu. On y revient assez facilement et on prend très rapidement du plaisir à y rejouer. Et ça faisait, je pense, peut-être un an que j'y ai pas touché. Et voilà, j'ai encore du plaisir à regarder le jeu et à dire jouer. Quoi. Ensuite, le choix des personnages, énormément. Dommage pour la partie Hades, effectivement. Enfin, en tant que seulement joueur, vous avez des personnages avec quand même une bonne tripotée pour vous amuser.
malgré donc effectivement que le jeu ait 2 ans, je le conseille fortement aux joueurs de et de combat et surtout aux fans de Saint Seiya, allez-y, allez-y, allez-y. Ça pourrait permettre, même si Bandai a déjà complètement rempli ses caisses, peut-être effectivement de voir un jour un Saint Seiya qui sort version RPG et avec une vraie évolution. Ce serait vraiment sympa, mais ce jeu est très bon pour moi. Mais il s'est bien vendu celui-là, tu sais? Je crois pas qu'il ait une grosse vente. Ouais, ça a du mal à sortir du ça a du mal à sortir du carcan de fan. Il a du mal à... Ouais. Malheureusement, dès qu'on a un jeu estampillé, Saint Seiya ou autre licence un peu moins connue, on va dire, entre guillemets, qui vient du Japon, ça a du mal à sortir. Enfin, ouais. On a du mal, si on n'est pas fan, on n'arrive pas à sortir du carcan. Quand on fait des allumés en retour, pas grand chose. Ce qui est dommage parce que c'est un très bon jeu de combat. Purement joueur, c'est un très bon jeu de combat. Donc je le conseille aussi fortement à tous ceux qui aiment se foutre sur la gueule. Et plus, se foutre sur la gueule avec plein de règles différentes aussi, c'est intéressant. Et puis de sortir du mode histoire, on peut en sortir facilement. C'est pas le principal dans le jeu, c'est pas le principal, c'est pas le mode histoire, hein. Il faut pas... ça apporte des personnages, voilà, c'est tout ce que ça va apporter. Et bien voilà, mais écoute, j'étais très heureux d'avoir fait cette vidéo avec toi. Pareillement. Écoute, j'espère que nous pourrons reproduire cette expérience. Ouais, moi aussi, j'espère que ça a plu à ceux qui à nous tout ont monde, écouté. Ouais. J'espère qu'ils garderont la vidéo en entière, ouais, parce qu'on est assez long. On s'est un petit peu lâché. On s'est fait plaisir, mais voilà. Bon, j'espère que vous aurez eu du plaisir à nous écouter. Et bah merci à toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. À bientôt.